Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel de débutants en soclage. Je vais vous présenter 4 socles super faciles à réaliser avec assez peu de matériel et quel que soit votre niveau. On y va! Découvrons ensemble les 4 socles que nous allons réaliser aujourd'hui. Le premier pour un effet miroir, idéal pour des figurines colorées comme les Eldari. Le second pour un effet de désert martien, idéal pour l'Imperium et en particulier l'Adeptus Mechanicus. Le troisième pour un effet de ruine, pour tout type d'armée. Et enfin le quatrième pour un effet décharge à ciel ouvert, idéal pour un culte de Gen Stealers. On commence avec le socle numéro 1 et les accessoires nécessaires. Ici j'ai mon socle, du masking tape réfléchissant, un pot d'astrogranite, un pot de Nuln Oil et un pot d'Astronomican Grey, tout cela de chez Citadel. J'utilise également un pinceau sculpteur, mais une touillette en bois peut suffire, ainsi qu'un pinceau assez large, c'est tout. Je commence par appliquer le masking tape, je colle 2 bandes serrées, nous recouvrirons toutefois l'espace entre les deux de peinture texturée. N'hésitez pas à rajouter un peu de colle sous le ruban adhésif pour une meilleure longévité. Puis je découpe le surplus à l'aide d'un cutter de précision. Ensuite, j'applique l'astrogranite de façon la plus aléatoire possible afin de rendre un effet naturel, mais je veille à laisser 2 surfaces bien visibles de ruban réfléchissant. Comme vu précédemment, j'en applique aussi sur la ligne entre les 2 bandes de scotch. On passe maintenant à la peinture. J'applique simplement un peu de Nuln Oil à l'aide de mon pinceau pour renforcer les ombres. Puis je fais un brossage à sec à l'aide de ma peinture grise pour éclaircir les zones les plus élevées des reliefs. Voici ce que ça donne. On peut aller plus loin dans les ombrages et éclaircissements. Mais si vous débutez pour un premier socle, c'est largement suffisant. C'est parti pour le socle 2. Côté outillage, nous avons bien sûr notre socle, un pinceau sculpteur ou une touillette en bois pour appliquer la colle blanche vinylique, qui deviendra transparente au séchage, le sable fin et les petits cailloux, la peinture et les 2 contenants pour le sable et les cailloux. Je commence justement par verser du sable dans un bol et je mets une pincée de sable plus épais dans un autre. On va se servir de ces différentes épaisseurs pour apporter de l'attrait visuel. J'applique une noisette de colle blanche, dite aussi colle à bois, puis j'étale sur toute la surface du socle. Une fois fait, je trempe le socle dans mon sable. Je tapote pour retirer le surplus. Puis je redépose une petite quantité de colle à certains endroits où je viens placer des petits cailloux. Puis je laisse sécher et je passe à la peinture. J'ai préalablement appliqué de la bombe de sous-couche noire sur le socle. Puis je passe une couche de Mountfan Brown comme base avec un vieux pinceau. J'applique ensuite du Nuln Oil pour les ombres.
Je termine par les éclaircissements avec un mélange de Montfang Brown et une couleur bien plus claire, ici du Hacker's Flesh. J'ai terminé en ajoutant un bout de lichen séché, collé lui aussi avec de la colle blanche. On y va pour le socle 3. Ici, on va se servir de grappe vide pour les éléments en ruine. Nous avons donc besoin d'une pince coupante, du socle bien sûr, de colle blanche encore, de mes pinceaux précédemment mentionnés et de peinture, notamment de l'astrogranite pour la texture. Je commence par couper des morceaux de grappe aux dimensions de mon socle. Ce qui m'intéresse, ce sont les nœuds de la grappe. Puis je découpe également quelques petits morceaux de grappe qui vont servir de débris. Simple, mais efficace. J'ai appliqué la méthode du socle précédent avec un peu de sable autour des ruines et des débris, puis je couvre le reste d'astrogranite. Ça va donner un effet irrégulier au socle qui donnera un rendu plus naturel. Une fois le socle sous-couché, j'applique une couche de base de gris là encore. Puis j'applique du Lille Belcher sur les ruines qui auront donc un look de poutre métallique. On applique ensuite du Null Noil partout. On peut ensuite appliquer la technique d'ombre et d'éclaircissement pour obtenir un rendu de ruines et de béton sévèrement abîmé. On termine avec le socle 4. Nous allons ici utiliser du Milliput. C'est une pâte époxy bicomposant, beaucoup utilisée en modélisme, et qui peut souder de nombreuses matières en séchant. Je prépare également mon socle, tout un tas de rabiots qui vont servir de décor, ma peinture et mon pinceau à sculpter. Pour les Milliput, on va mélanger les deux pâtes pour en obtenir une troisième que nous allons modeler. Je l'étale sur mon socle, j'essaie de sculpter une colline. À ce stade, on peut tout à fait préparer sa figurine et venir déposer ses empreintes sur le socle pour une meilleure tenue par la suite, ce que je n'ai pas fait ici. Je découpe ensuite mes rabiots. Ici du grillage, un bout de paille et des éléments récupérés sur d'autres maquettes. Je les insère tout autour de ma colline et je laisse sécher.
J'applique ensuite l'astrogranite partout. Viennent ensuite les étapes auxquelles vous êtes maintenant habitué. Sous-couche, première couche de base en gris. Pour donner un effet toxique ici, j'ai appliqué du Bieltan Green sur le sol. Ensuite du Lead Belcher sur les éléments, puis Nuln Oil pour les assombrir. J'éclaircis enfin un brossage à sec avec du Nurgling Green. Et voilà un monticule parfait pour un héros par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous êtes maintenant convaincu qu'on peut faire des choses très bien avec peu de matériel. Vous pouvez retrouver tous les outils que nous avons mentionnés au cours de cette vidéo sur le site de 1001hobbies.fr. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si vous voulez suivre nos tutos et nos actus. À bientôt !